mardi le 14 décembre. Il pleut, il neige pas, je suis extrêmement contente. Premièrement, est-ce que vous aimez comme qu'est-ce que j'ai fait à mes cheveux? Je les ai comme pas repeignés. J'ai essayé une nouvelle technique pour les curver, mais pas tant que ça. Ça a pris même pas 2 minutes faire ça. Puis j'ai un nouveau genre de fond de teint là, de Bioderma. J'ai essayé ça, puis sans faire exprès, je m'en suis mis dans les yeux. Pis ça brûle tellement là, cette affaire-là, Seigneur, j'ai eu les yeux qui ont coulé pendant genre une demi-heure. Ça a été l'enfer, ça me fait pas ça d'habitude avec mes fonds de teint là, tu sais, d'habitude je m'en vais partout, mais celui-là, il est comme, il est liquide pis il m'a comme rentré dans les yeux pis oh my god, j'ai pleuré ma vie. Donc ouais, il faut que j'aille chercher un cadre là pour la belle toile que vous voyez pas mais que je vous ai montré hier. De Tamara PL, puis faut que je fasse ça. Ensuite, je dois aller chercher du linge parce que j'ai reçu un colis. Puis faut que je filme demain. Je vais faire ça demain. Je vais filmer un haul. Donc vous allez voir ça sur ma chaîne probablement peut-être jeudi. Non, pas jeudi. Parce que jeudi je vais chez la coiffeuse. Peut-être vendredi. Bref, là, faut que je mette mon article de chandelle en ligne. Puis, ça, après le dîner, je vais aller faire des petites commissions, je pense. Puis, je vais vous amener avec moi. Yeah! Tantôt, j'ai dit qu'on était mardi, mais c'est même pas vrai, on est lundi. Je suis tellement mélangée. On dirait que j'ai passé la fin de semaine à New York, mais j'ai juste passé 24 heures. On dirait que ça m'a comme mélangée. Hey, je suis tout le temps floue. Hey, j'ai hâte de recevoir ma nouvelle caméra. Ça va être tellement hot! Bref, je suis au Walmart, je m'en vais chercher des affaires. Faut que j'aille acheter un cadre et éventuellement du papier d'emballage de Noël et des trucs pour mettre des cadeaux. Parce que j'ai des cadeaux à emballer, je vais commencer ça tout de suite. Et là, ouais, j'ai bien hâte d'aller faire mes cheveux, là. Je sais pas quelle couleur que c'est. C'est-tu blond, c'est-tu gris, c'est-tu mauve? Je suis pas trop sûre. Dehors, il fait comme tellement gris, puis je fais un peu de boucan, il fait un petit peu froid. Je pense qu'il fait comme 1 degré. Ça commence à ressembler à l'hiver, mais pas trop. Mais pas trop. On est bien. Je suis flou. Bref, je suis au Walmart, puis j'avais oublié que c'était le temps de Noël, puis que j'aimais pas les gens. Fait que là, il y a plein de monde partout. Il y a un petit papier d'emballage. Wow. It began to look a lot like Christmas. J'ai acheté le CD de Michael Bublé. On voit mal. 10$ chez Walmart. Puis Michael là, j'ai comme un amour pour lui parce que je trouve qu'il chante tellement bien. Comme j'aimerais ça que moi, si un gars comme qui chante comme ça puis qui vient me faire une déclaration d'amour, c'est sûr que je le marie, genre c'est sûr. J'ai oublié de vous raconter une anecdote. À chaque fois que je porte ces pantalons là, il y a tout le temps quelqu'un qui passe un commentaire et c'est souvent des personnes comme en haut de 50 ans qui ont comme qui comprennent pas la mode. Fait qu'il y a un monsieur qui m'a dit "Hé, mademoiselle, vous avez des trous dans vos pantalons." J'étais comme où ça? Je sais pas si on voit bien, c'est sûrement flou encore, puis vous voyez toutes les lumières. Mais je viens de terminer de l'encadrer. Tadam! C'est full beau dans un cadre, là. Ça donne encore plus de prestance. Fait que je sais pas trop où le mettre. Est-ce que je devrais le mettre comme en haut de mon lit? On dirait que sinon je sais pas où le mettre. J'écoute du Michael Bublé! Ouais! C'est quand je vous dis que j'écoute absolument n'importe quel style de musique, là. Oh, ça me met dans l'ambiance des fêtes parce que j'ai pas de sapin. Je trouve ça con de dépenser de l'argent pour un sapin. J'aime mieux voyager. Fait que c'est ça, je vais emballer mes cadeaux de Noël pour ma famille. Puis ça va être une petite après-midi relax comme ça. En écoutant du Michael Bublé. Ouais! Tadam! Bon, ça va être cool quand mon mur va être blanc éventuellement. Puis là, c'est comme pas centré parce que j'avais déjà un crochet de accrocher qui servait à rien. Hey, les beaux reflets, toi! On voit pas à cause du reflet! Merde! Là, si j'éteins tout ça... Ah, oh, c'est correct comme ça. Donc voilà, aimez-vous ça? Ça va être... ouais. Je pense que je vais me faire... je vais le centrer éventuellement un jour. Je pense que je vais me faire un mur de cordes, là, puis ça va être le seul truc de couleur qui va puncher parce que c'est censé être tout noir et blanc, là, chez nous, là. Sauf ça! Fait que, ouais, je l'aime bien. Un jour, vous allez pouvoir vous le procurer, vous aussi. C'est vraiment pas cher. Je pense qu'elle disait qu'elle voulait le vendre comme 10$. 10$.
c'est... Oh, mon Dieu. Descendons. Allez, Billy. Fait que c'est ça, je vais vous le dire, là, quand... ça, tu sais, quand Link va sortir, là, mais... ouais, c'est ça! Fait que moi, j'aime ça encourager les gens, les artistes. Je trouve que c'est important. Comme avec cette toile-là. Cette toile-là, on me l'avait offert, là. C'est Serge Rodrigue qui me l'a peint pour moi. Elle est unique dans le monde. J'aime bien ça, encourager les artistes, moi. Fait que j'ai tout acheté au Walmart. Tout était une pièce, là, tout ce que vous allez voir, là. Ça, c'était une pièce. Ça, c'était une pièce. C'est comme des petits trucs chinois, là, pour emporter, là, on dirait, là, t'sais, du... toute la bouffe chinoise, là, je trouvais ça vraiment trop mignon. Je vais aller fermer la gueule à bobler parce que droit d'auteur, hein, il paraît que, ouais, c'est ça. Fait que j'ai trouvé ça, du petit rouleau, ben cute, pas trop quétaine. Parce que j'aime pas trop les affaires quétaines, là, même si, bref, des petits sapins avec un petit tag avec un petit sapin. Ça, c'est pour mon papa. Je vais mettre son cadeau dedans. Je crois que ça faisait des garçons. Ça va être pour mon petit frère. C'est écrit Christmas. Ça va être pour Audrey. Ou ma maman, je sais pas trop. Et voilà, un autre petit comme ça avec des petits pains d'épices. Waouh! Puis j'ai pris du petit papier rouge et blanc. Ho, 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 et ligné. Waouh! Tout ça pour... c'était tout un dollar. Fait que je suis bien contente de checker la preuve que je dis pas de la merde. Une pièce! Wow. Billy, t'aimes-tu ça emballer des trucs avec moi? Wow! Fait que là, je mets de la petite neige dans mes trucs de chinois. Puis là, j'ai caché des belles petites choses là-dedans. Ouh là là! Tadam! Tous mes cadeaux sont enveloppés! Ouais! Mission accomplie! Billy s'amuse beaucoup trop avec les sacs. Gros chat. Gros cholet. Gros cholet. Dilette, dilette. Tu m'as aimé. J'ai reçu plein de neige. Check ça. Oh my god. J'ai comme oublié que j'avais commandé plein d'affaires. Je vais vous montrer ça dans un haul. Ça, c'est tout des sacs. Ok, on voit tellement pas. Ok. J'ai plein de sacs avec plein de vêtements à vous présenter. Bon, ça, c'est ma brassière que j'ai mis hier. Bref, j'ai plein d'affaires, là. Plein de linge à vous montrer. Dans une prochaine vidéo de haul. J'ai hâte de comme, cleaner un peu mon espace ici dans ma salle de bain. Je le cache dans ma salle de bain parce que sinon, Billy, elle joue dans mes sacs et j'aime pas vraiment ça. Donc, je vais terminer le vlog d'aujourd'hui. Maintenant, je dois aller faire du montage. Il est 10h, donc moi, mes journées de travail finissent tard. J'ai écouté un film tantôt avec mes parents, ça s'appelait Blue Jasmine. Un film de Woody Allen. Je me rappelle plus si c'est vraiment ça le titre, mais c'était bon. C'était une petite comédie romantique légère, un petit drame aussi. Donc c'est un bon film, je vous le recommande si vous aimez Woody Allen. Bref, je m'en vais travailler, donc au revoir, à demain.